Titre, Mbappé, le Barça et les coulisses du transfert, une saga de décision cruciale. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir, merci beaucoup à toi. En 2017, les coulisses des transferts révèlent souvent des histoires intrigantes et des choix difficiles pour les jeunes talents du football comme Kylian Mbappé. Alors que le monde du football retient son souffle à chaque mouvement de star montante, il est fascinant de voir comment les différentes dynamiques entre les clubs et les joueurs influencent finalement les décisions cruciales. Dans le cas de Mbappé, le Barça, connu pour sa capacité à façonner l'avenir du football avec son style de jeu emblématique et son énorme base de fans mondiale, avait également jeté son dévolu sur le jeune prodige français. Les rumeurs et les spéculations sur un possible transfert vers le Barça ont certainement suscité l'enthousiasme des supporters et des observateurs du monde entier. Mais comme dans tout récit de transfert, il y a souvent des surprises. Malgré l'intérêt du Barça, Mbappé a finalement opté pour le Paris Saint-Germain. Ce choix peut sembler contre-intuitif à première vue, mais il révèle la complexité des facteurs qui influent sur les décisions des joueurs. Peut-être que Mbappé, en évaluant ses options, a estimé que le PSG offrait un environnement plus propice à son développement personnel et professionnel à ce moment-là. De plus, les rapports indiquent que Mbappé avait un penchant pour le Barça plutôt que pour le Real Madrid à l'époque. Cela souligne l'importance de la perception d'un club et de son potentiel pour un joueur en pleine ascension. Le Barça, avec son histoire glorieuse et son engagement envers le jeu offensif, aurait pu offrir à Mbappé un cadre idéal pour s'épanouir. Quant au choix du Barça de privilégier Ousmane Dembélé à l'époque, cela ajoute une autre dimension intrigante à l'histoire. Les clubs de football doivent souvent jongler avec plusieurs options et priorités lorsqu'ils planifient leur recrutement. Le fait que le Barça ait opté pour Dembélé plutôt que de se positionner fermement sur Mbappé montre la complexité des calculs et des considérations à prendre en compte lors de la constitution d'une équipe de football de premier plan. En fin de compte, chaque transfert de joueur est le produit de négociations, de préférences personnelles et de circonstances variables. L'histoire de Mbappé et du Barça en 2017 illustre parfaitement cette réalité captivante du monde du football.